Nous allons voir dans cette vidéo comment construire le symétrique d'une droite par une symétrie centrale. On cherche à construire la droite symétrique D' de la droite D par rapport à O. Tout d'abord, on commence par placer deux points quelconques sur cette droite, que l'on peut nommer par exemple M et N. On les choisit où l'on veut. Puis on construit le symétrique par O de chacun de ces points. On commence donc par construire le symétrique du point M par rapport à O, en traçant la demi-droite d'origine M passant par O, puis en reportant la longueur MO à partir du point O. Puis, on construit le symétrique N' du point N par rapport à O en traçant la demi-droite d'origine N passant par O en prenant l'écartement au compas de la longueur NO et en reportant cette longueur de l'autre côté de la demi-droite par rapport au point O. Il nous reste plus qu'à tracer la droite D' passant par ces deux points M' et N'. Cette droite M'N' est la symétrique de la droite D par rapport à O. Remarque, pensez à laisser apparent les traits de construction et de codage des longueurs égales, mais de façon discrète et soignée.